en direct pendant une heure. Et pourquoi pas, l'émission radio à 99% drôle et décalé. Entouré de son équipe, Sébastien Joël prend l'antenne. Et pourquoi pas. Bonjour à tous, c'est le retour de Et pourquoi pas, l'émission qui n'est pas à 100% drôle, hein, 99% on vous garantit ça, et c'est pas donné à tout le monde. Même Rire et Chanson n'a pas ça dans son cahier des charges, et c'est la raison pour laquelle je crois avoir choisi des chroniqueurs qui pour la plupart commencent en radio là tout de suite dans cette émission, mais ont un énorme talent puisque pour la plupart d'entre eux également sont passés sur le plateau qui existe depuis 13 ans ici même, puisque nous enregistrons en direct du restaurant chez Matana. Nous sommes au cœur du 5e arrondissement de Paris, sont avec nous et les camarades vont pouvoir les applaudir au fur et à mesure. Virginie qui nous a rejoint. Bonjour Virginie. Tout le monde est là, Virginie. C'est formidable. Nous avons également Avril. Allez. Qui est avec nous. Marlène Bouvier. Édouard Deloignon. Josquin Chapat. Et Laurent Simoni. Merci en tout cas d'être avec nous et d'écouter cette émission où que vous soyez. Nous allons dédier l'ensemble de cette émission aux artistes humoristes qui ont à cœur d'écrire leurs textes et qui sont de véritables auteurs et qui tournent sur des scènes à Paris ou en province et qui ont leur spectacle et qui passent des heures à écrire des choses dans l'espoir de faire rire un public qui vient évidemment au rendez-vous qui leur donne. Nous allons donc tout au long de cette heure découvrir le talent de chacun d'entre eux. Chacun a décidé d'écrire un texte, donc une chronique pour cette émission. Et le premier qui ouvrira la marche dans un instant s'appelle Laurent Simoni. On revient dans un instant. Et pourquoi pas, les grands moments du rire. Alors bonjour à tous, merci en tout cas et merci à tous d'être là dans le cadre de cette émission. Vous êtes tous auteurs, vous le jurez, j'aurais dû ramener une Bible. Je le jure. Oui, moi c'est ouais. Bon. Premier. C'est bon pour vous. On risque pas un jour de vous retrouver sur Copy Comic. Pas de risque. Non, pas de risque, Josquin. Non. Ouais. Donc peut-être parce qu'on nous a piqué une blague plutôt. Mais... Voilà, on sera sur Copy Comic, mais en tant que plagier. Voilà. En tant que plagieur. Ouais, c'est ça. Alors, on va faire un petit peu le tour comme ça. Avril, quel âge as-tu et depuis combien de temps fais-tu rire les gens? Et fais-tu rire les gens? Alors, j'ai 27 ans, je fais rire les gens depuis que je suis né, ma foi. mais je ne le fais que professionnellement depuis 6 mois. Ouais, voilà, donc c'est très nouveau. Ah, c'est très récent. Coup, ouais. Maintenant, c'est un nouvel exercice. Faire rire simplement avec la voix, voilà, ça va être très différent. Mais c'est une première pour toi, la radio. Absolument. D'accord. Ok. Édouard, bienvenue. Merci. Alors nous, Édouard, on ne s'est jamais vu encore. Non, c'est vrai. C'est une vraie première. Qui es-tu, d'où viens-tu et depuis quand fais-tu rire? Alors, moi, je viens de Normandie, à Rouen. Après, j'ai été au cours Florent, où j'ai croisé Josquin, d'ailleurs, des heures d'improvisation. Et là, depuis 6-7 mois, je fais du stand-up, je fais du one-man show et voilà. Mm-hmm. On s'amuse. On s'amuse. Pas toujours. Raison, mais... ouais. Marlène est avec nous. Bonjour Marlène. Bonjour. Bonjour Marlène. Alors Marlène, c'est de l'humour, mais c'est aussi de la chanson. Tout à fait. Et j'ai cru me rendre compte que tu cours après certaines stars ou personnalités des médias et tu leur proposes un petit jeu en ce moment. Voilà, j'ai des défis musicaux à partir de mots qui me proposent. Et donc du coup, là, je peux dire et attester que je suis vraiment auteur de ces chansons. Voilà. Après, elles font rire ou pas, mais au moins, c'est moi qui les écris. Que tu fais très rapidement, en fait. Hein. J'essaie de les faire, voilà, idéalement en moins de 24 heures. Après, des fois, selon mes contraintes, c'est pas... Mais en tout cas, en moins d'une semaine. Voilà. Tu veux dire qu'un jour, en moins d'une demi-heure, on pourra te commander une chanson comme une pizza, quoi. De la même façon. Possible. Après, la Jean-Jacques Goldman du rire. Et tu livres, ce serait cool, ça, vous imaginez? C'est la Uber Van. Ouais, la Uber Van. L'Uber chanson. Ce serait cool, ça. Enfin, franchement, moi, j'ai envie de commander une chanson tout de suite, évidemment. Laurent Simoni. Oui, alors moi, je te connais pas. Oui, non, mais c'est vraiment, on va continuer à ne pas se connaître. Sébastien, bah écoute, donc... C'est ta voix normale, Laurent? Je ne sais pas. D'accord. Je sais pas. Ouais. Justement, ça va pas. On va pas te demander ton âge. Non, c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine de s'énerver. Non. Mais on a sa voix sensuelle et 77 ans. Entre 7 et 77. Voilà, hein, c'est beaucoup. Mais on est plus vers 77 quand même. Ouais. Je t'emmerde. Non, mais tu as raison. Enfin, oui, je veux dire, à un moment donné, ça fait rire et en même temps, toi, tu le penses. C'est une vraie agressivité. Voilà. D'accord. Voilà. Non, mais c'est important. Il y a passif-agressif, là, c'est passif-actif. Et Josquin est avec nous. Yep, c'est moi. C'est pareil, Josquin, ça fait un petit moment qu'on est sur Facebook. Exact. Et on s'était encore jamais vu, donc c'est une première.
Je m'en réjouis. Et ça fait quoi, ouais. Ça fait quoi, Josquin, de rencontrer ces personnes? Voilà, je suis tout chose. je dois le dire. Ouais, ouais. Fidèle aux images, en fait. Hein. Petit et large, je m'autocasse. Virginie est avec nous. Virginie, elle est au fond de la classe à côté du radiateur. Oui. Ça va? Ça va. Bon, tu es en train de finir l'écriture de ta chronique, c'est ça? Je remets au propre. Non, mais c'est très sympa. Non, mais c'est important. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe dans cette émission. J'ai travaillé dans l'urgence et j'espère que. Je ne vais pas vous décevoir. Non, mais on attend. Ne t'inquiète pas, il n'y aura que des déceptions ce soir. On va voir ça. Mais on te laisse recopier au propre ta chronique. Voilà, tu es au fond de la classe, à côté du radiateur. Merci. Mais on t'en prie. Et c'est Laurent Simonier qui va ouvrir. De quoi tu nous parles, Laurent? Alors, ben déjà, ça ne va pas du tout. Hein, Sébastien, ça ne va pas. Ouais. Ben, je frôle la dépression, je suis à la limite du hors-jeu. Hein. Moi, j'ai uniquement écrit cette chronique parce que tu m'as supplié de le faire. C'est vrai, pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Bah, si, mais attends, rappelle-toi, tu m'as appelé quand même à 2h du matin. Hein. Bon. Mais je veux dire, le cœur n'y est pas. Alors, l'intérêt de cette chronique, c'est qu'elle va être très courte. D'accord. Voilà. Et tu vas me remercier à la fin. En fait, Sébastien, le nom de ton émission, c'est... Et pourquoi pas? C'est pourquoi pas. D'accord. Donc je te pose la question, et pourquoi pas? Bah effectivement, et pourquoi pas? C'est la raison pour laquelle tu es là. Voilà. Alors c'est vrai, chères auditrices et auditeurs, après tout, et pourquoi pas? Alors avant de répondre à cette existentielle question, et pourquoi pas, il convient de présupposer que la question « et pourquoi pas » sous-entend intrinsèquement, c'est pas facile à dire, « et pourquoi ?» Hein. Alors à partir de là, tout devient possible. Une avalanche de nouvelles questions se bouscule à ce micro. Pourquoi Sébastien ne porte pas la moustache? Ah oui, c'est une excellente question. Voilà. Pourquoi Sébastien ne porterais-tu pas la moustache? C'est vrai. Parce que j'en ai une sur mon permis de conduire. Je crois que c'est la pire photo que j'ai. Et je vous la montrerai, comme c'est de la radio, on s'en fout. C'est avec une moustache. C'est pas faux. C'est vrai. L'ennemi de Tintin. Tintin à Matana. Tu vois, alors, un petit peu plus sérieux. Pourquoi une femme de 73 ans a-t-elle eu la malheureuse idée de goûter au macadam niçois sous la divine bénédiction de notre président, hein? Bénédiction toute empreinte de sagesse, entre très gros guillemets sagesse, hein? Comme le susnommé aime le répéter. Bon, ceci étant dit, hein, on ne va pas plomber, mais c'est important de le dire. Voilà, donc ceci étant dit... Je répète volontairement ceci étant dit. On pensait que tu avais bugué en fait. Non. Je répète volontairement ceci parce qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas la couleur. Hein? D'accord. Pas encore la couleur. Donc ceci étant dit, dans un second temps, il faudra revenir à l'origine de la genèse de cette étonnante question et pourquoi pas. Alors donc cela nous oblige à nous poser des questions que tout le monde se pose. Et pourquoi pas manger une pizza vegan, bio et sans gluten et sans sucre ajouté? D'accord. Voilà. Parce qu'il n'y a plus que l'assiette. Ouais. Et pourquoi pas recevoir une invitation de Léa Mani? Alors, je vous explique. Hier soir, par le truchement d'un réseau social que je ne nommerai pas, mais dont le nom commence par Face, j'ai reçu une invitation de Léa Mani. D'accord. Là, elle va, on sait pas qui c'est. Est-ce que quelqu'un connaît Léa Mani? Ah bah oui, Léa. Comment va-t-elle? Bon, Léa, non fameuse. Mais moi, sacré Léa. Voilà. La fameuse sacré arrondissement. Dont personne ne la connaît. C'est hein. La sœur de Stéphanie, non? Moi, je vous rassure, moi non plus. Non, selon les informations de la rubrique intro de ce réseau social que je ne nommerai pas, mais dont le nom se termine par book, Léa Mani est née à Abidjan, habite Abidjan, est aide-soignante à Abidjan et a étudié à l'université de Cocody. Bon, alors, ceci dit, maintenant, la question est de savoir pourquoi Léa Mani me demande à moi comme ami. Hein, oui. Simple parisien basique, voilà, qui n'a jamais mis les pieds. Chroniqueur radio. Voilà, j'ai jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Hein. Bon, et j'ai rien en commun avec cette Léa Mani. Alors, voilà, question évidemment immédiatement suivie des questions suivantes. Léa Mani est-elle réellement Léa Mani? Hein? Ah, oui. Ah oui. Et ouais. Et oui. Léa Mani n'est-elle pas
dans un glauque cybercafé. Ouais. Et Liamani est-elle une femme? À mon avis. Bon, je conclurai cette chronique, chers auditrices et auditeurs, par cette avisée question. Et pourquoi pas savourer la web-série Bref de pizza sur YouTube. Ah oui, pourquoi pas? Parce que tu, ça doit être sympa, Bref de vois pizza. Bien, ouais, ah oui, j'ai bien fait de vous appeler deux. C'est une web-série humoristiquement drôle que je co-réalise avec mon ami Sully. D'accord. On a le droit de faire sa promo? D'accord. Non, c'est bien, il a raison. Moi, je joue la semaine prochaine au 15 kilos. Et avec les Amani en guest, bien sûr. Et donc, comme disent traditionnellement les stand-uppers en mal d'imagination. Ouais, merci. C'est peut-être un pléonasme, hein, d'ailleurs. C'est tout pour ça attaque, ça attaque. Pour Avril, ça c'est tout pour moi. D'accord, merci Laurent Simoni. Merci beaucoup. Bravo. Et le sujet de ma chronique sera moi-même. Alors pourquoi, à votre avis, Laurent Simoni a fait sa promo? Parce que depuis qu'il est né, on lui a dit « Vis chaque jour comme si c'était le dernier ». Et donc... et c'est jamais le dernier. Et c'est jamais le dernier. Et c'est comme ça, voilà. Bah, merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Dans un instant, nous reviendrons dans l'émission et nous parlerons justement de copies comiques. Ne bougez pas. Pourquoi pas, l'émission à 99% drôle. Et oui, on ne peut pas rire de tout. Et pourquoi pas. Et nous sommes de retour dans... Et pourquoi pas l'émission, et je vous parlais donc de copies comiques, vous avez certainement vu à la télévision, et ça fait beaucoup le buzz, et particulièrement autour de Gad Elmaleh en particulier. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous avons en exclusivité dans cette émission les réponses à des questions que j'ai posées donc à copies comiques, et dans le cadre de l'émission que vous avez certainement vu, envoyé spécial sur France 2, des gens dans la profession recherchent cet homme, mais qui est-il? Comment se cache-t-il? Et particulièrement Gad Elmaleh dernièrement, qui lui a laissé entendre qu'il avait envie de lancer une procédure contre lui. Alors, est-ce que Gad Elmaleh a lancé une procédure? Est-ce que les Américains ont essayé de contacter Copy Comic pour essayer d'attaquer les humoristes dont il met en avant justement l'ampleur de leur plagiat? Lorsque j'ai posé des questions à Copy Comic, j'ai posé des questions à la troisième personne et il a eu une drôle de réaction. On écoute ce qu'il a dit. Il est très surprenant que dans les questions, vous parliez de Copy Comic à la troisième personne tout en m'adressant la question. Il y a un côté Alain Delon, merci de rendre cela plus naturel. De plus, je ne suis pas super fan à l'idée qu'on mette mes réponses à l'oral. En tout cas, le côté interview est gênant. Cela fait de moi le sujet, alors que je tiens à ce que le sujet soit la pratique, l'humour, le plagiat, pas ma personne. On revient sur le plagiat. Réaction concernant donc copie comique, Marlène par exemple. Connaissant la difficulté d'être auteur aujourd'hui et de vivre de son art, de sa plume, mm-hmm. c'est vrai que je me dis que... Alors, ils ont un talent, de toute façon, d'humoriste, que ce soit Gad Elmaleh, c'est indéniable. Hein, de toute façon, ils ont un art de la scène, c'est des comédiens. Mais après, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, moi, j'aime bien que les personnes écrivent leurs propres textes. Je trouve que c'est aussi pas mal qu'on puisse reconnaître vraiment les auteurs en tant que tels. Et donc... voilà, je ne sais pas qui est ce Copy Comic. Je suis un petit peu déçue qu'il ne soit pas là d'ailleurs aujourd'hui. Ah oui, j'imagine. Je l'attendais. Okay. Il est là, surprise, mais il est peut-être là. Il est peut-être là. Bon, moi, c'est pas moi, j'avoue. On lui demande précisément comment est née l'aventure Copy Comic. Écoutez, on revient après. Du constat, il y a longtemps, que certains humoristes piochaient bien trop dans les œuvres d'autres en s'accaparant leur travail, sans leur accord, sans les créditer, sans reverser les droits d'auteur que cela représente. Le cas le plus flagrant était alors celui de Thomas Sisley. Quand le temps et l'énergie pour ont été réunis, j'ai décidé de faire ce qu'un ami me mettait alors au défi de faire depuis longtemps, prouver ce que j'avançais en privé, à savoir que cette pratique est une réalité pour certains. On lui posera tout à l'heure une question sur l'anonymat. Est-ce que c'est vraiment important d'être anonyme? Il répond à cette question. Et puis également concernant le buzz, est-ce que l'objectif était de faire un buzz ou plus ou moins vraiment d'avoir un vrai gros travail? Et c'est vrai que finalement il y a du travail parce qu'il faut retrouver exactement les sketchs, il faut pouvoir faire ses montages, etc. Donc Copy Comic donc en exclusivité dans cette émission tout au long de cette heure. Et puis dans un instant, c'est Alexandre qui va intervenir avec sa chronique, et il nous a prévenu qu'il allait être sérieux dans le cadre de cette émission de radio. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à y croire, mais il nous manque quoi, une dizaine de secondes avant que ce soit possible, parce qu'il est en train de faire des gestes, il est en train de demander à sa famille de le filmer. Oui, oui, et donc vous êtes ma famille, hein, et donc c'est dans ces moments là que je regrette que l'émission n'existe plus, l'école des fans, pour que
que ta grand-mère, ton grand-père viennent avec un caméscope. Oui. Et qu'on puisse apprendre que la voisine est la maîtresse de ton père. Oui. Merci en tout cas d'écouter cette émission. Il s'appelle Avril, parce que je connais bien la voisine. Oui, bon, qui ne la connaît pas, elle aussi. Et donc les amis, nous allons découvrir le talent incroyable de ce nouveau chroniqueur. Alors. Et pourquoi pas, l'émission radio à 99% drôle et décalé. Drôle et décalé. Avril, nous t'écoutons. Bon alors, déjà, talent incroyable, vous me le direz dans 3 minutes. Et pourquoi pas ? Et ou pourquoi pas, pas. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'écriture inclusive. Voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, j'imagine que oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Yeah. En gros, l'écriture inclusive, c'est un ensemble de règles qui visent à éviter toute discrimination par le langage. L'Académie française a dit non, les associations féministes ont dit oui, du coup, c'est oui. Personnellement, le procédé ne me choque pas plus que ça. Après tout, imposer sans concertation est une stratégie plutôt en vogue actuellement. Alors, l'objectif, en fait, de l'écriture inclusive, c'est par définition de ne pas exclure des gens par le langage. Je prends un exemple, on n'écrit plus les citoyens, on écrit les citoyens n.ne.s pour ne pas exclure les femmes. Parce que citoyen, c'est masculin, alors que si on rajoute ces suffixes, ça devient à la fois masculin et féminin, donc non excluant. Le truc, c'est que si un mot a les deux genres, c'est comme s'il n'en avait pas. Du coup, ce mot devient neutre, non genré, donc à tous les gens qui s'enorgueillissent de cette révolution, félicitations, vous avez inventé l'anglais, mais en plus moche. Je me moque, mais en réalité, je trouve pas ça bête du tout. Il y a malheureusement des gens exclus dans notre société, et il faut les inclure, c'est un devoir que nous avons. Mais alors dans ce cas, si l'on décide d'inclure les gens par le langage, incluons plus loin, incluons plus fort. Prenons la phrase. Les citoyens ont la vie devant eux, qui a en plus le mérite d'être vrai. On la vie ? Allons-nous vraiment, sans ménagement, mettre de côté toutes les personnes qui n'ont pas la chance de posséder ? Remplaçons on par on ou non pas, qui inclut sans distinction de patrimoine. La vie serait-elle donc uniquement féminine ? En plus, on dit la mort, et moi qui croyais que les monopoles étaient illégaux. Je propose donc le slash la vie, mais cela pose un problème d'accord, le E en fin du mot vie n'étant pas compatible avec le néo le. Fort heureusement, cette syntaxe révolutionnaire qu'est l'écriture inclusive nous permet de régler ce problème en reformulant le slash la vie.e. Mais quid des bouddhistes qui croient à plusieurs vies ? Qui sommes-nous pour exclure les bouddhistes ? Mettons le slash la slash les vie.e.s et là, on inclut tout le monde. La vie devant eux, devant, est-on encore prêt en 2019 à tolérer cette obligation de temporalité qui oblige à s'y résoudre ? Je dis non. Mettons tout, devant, derrière et sans oublier le présent, pendant. Devant te, c'est-à-dire on va quand même pas se répéter, e slash l slash it, pour les non-binaires, on n'a pas le terme neutre en français, donc prenons le terme anglo-saxon, après tout, il montre tellement l'exemple en ce moment. Voilà, donc pour rappel, on est passé de « les citoyens ont la vie devant eux », j'ai honte rien qu'en le lisant à nouveau, à « les citoyens.ne.s » ou « ont ou non pas le slash la slash les vie.e.s » devant, pendant ou derrière « e slash l slash it ». Et là, je dis « bravo !» Là, nous avons été plus qu'à la hauteur de nos obligations morales. Félicitations. En vrai, la question, c'est pas de savoir si une langue peut évoluer. Non seulement elle peut, mais elle doit évoluer. Sinon, c'est une langue morte. Et la dernière langue morte que j'ai connue, qui s'appelait Johanna, m'a laissé un très mauvais souvenir. La question c'est, est-on prêt à laisser une idée noble que l'inclusion nous ouvrir la porte de la novlangue ? Comment on en arrive à la novlangue ? C'est pas quand le langage s'adapte aux usages, qui est chelou et rhum dans le dictionnaire, personnellement je trouve ça hyper chouette. Non, c'est quand on impose un usage. Alors parfois imposer un usage, c'est salvateur. Franchement aujourd'hui, je suis content que ma mère par exemple m'ait imposé le lavage de dents. Surtout quand j'essaie de séduire quelqu'un, ou que je parle à côté de vous en ce moment même. Mais est-ce que vous connaissez la différence entre ma mère et les gens qui essayent de m'imposer l'écriture inclusive ? C'est que ma mère... elle a toujours raison. Et pourquoi wow. pas, l'émission presque pas drôle de Sébastien Joël entouré de son équipe revient dans un instant. Ma femme est photographe et moi je suis tous les soirs au bain. On habite un loft du côté de Saint-Germain. Julien Clerc et tout le gratin du showbiz de la mode. J'ai eu des propositions à la télévision, au ciné chez Virgin. J'ai failli signer. Ma femme est photographe et moi je suis dans la création. L'autre jour j'ai clopé avec Thierry Harrison. Il m'a promis de me passer à la télé.
télévision, que je serai à côté de célèbres noms. Puis quand les bassins m'emmerdent, on va à la campagne. Là-bas, on a des amis qui connaissent à Johnny. C'est elle qui signe les autographes. Et moi je suis là, trop là, hélas. Mais j'ai déjà d'autres projets, des décors de studio. Pas si j'ai de Chavannes ou j'ai de Niso. Et puis y'a un chanfort que je suis fort, qui voudrait m'engager pour faire des tournées, des télé. Ma femme est photographe. Il s'appelle Thierry Stremler, ma femme est photographe et c'est assez rigolo et en même temps c'est pas drôle du tout. C'est le premier concert que j'avais vu quand j'avais 12 ans et il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Verts Coquins. C'est toujours intéressant à savoir. Pourquoi pas, l'émission à 99% drôle. Et oui, on ne peut pas rire de tout. Des vrais auteurs, des artistes de la nouvelle génération et copies comiques. Eh ouais, évidemment, ça va avec. Plus on écrit, plus on a de talent et moins on a besoin, évidemment, d'aller voir ailleurs. En ce qui concerne copies comiques, est-ce que le but était d'informer ou éventuellement de créer le buzz? C'est une question que nous avons donc posée à copies comiques. Vous aurez évidemment compris depuis le début de cette émission que les réponses ont été lues par un comédien puisque copies comiques reste anonyme. Mais ça, c'est une autre question qu'on lui a posée également. Le buzz, ça ne me parle pas. L'important est d'informer, de partager cette réalité. Après, le reste m'échappe. Les vidéos sur GAD ont fait le buzz. Celles sur Malik Bentala et Mathieu Madénian, beaucoup moins. Ça n'est pas de mon ressort. Je laisse les vidéos faire le travail. Alors justement, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez vu à peu près toutes les vidéos, vous qui êtes dans le milieu? Vous avez tout regardé? Oui. Bah, on voulait se faire notre... J'imagine qu'on voulait tous se faire plus ou moins notre idée. Est-ce que c'est du vrai plagiat? Ou est-ce que ça peut être une suite de coïncidences? Et d'ailleurs, au sein des vidéos qu'on a vues, il y en a qui peuvent être remises en question. Peut-être que ça peut être juste une... Ouais, on est de l'ordre de la coïncidence. Mais par vidéo, il y a quand même au moins 2-3 séquences où on est sur du plagiat pur et dur. Et je pense que moi, de mon côté, je trouve ça impossible de ne pas le voir. Sur la majeure partie quand même des vidéos qu'on a prises, Edouard, t'en penses? Totalement. De toute façon... Bah GAD, évidemment, GAD, c'est l'exemple le plus concret parce qu'il y a vraiment des parts de sketch et de mimique, de jeu, de texte où tout est pompé. Après, des fois, c'est juste des petites vannes un peu partout dans tout le spectacle, mais ça reste du vol. Oui, et puis, il faut quand même réaliser que GAD, dans sa défense, ne nie pas qu'il a pompé. Ouais, il peut pas nier. Il attaque le fait d'avoir des droits d'auteur un truc un peu obscur, mais il ne nie pas qu'il a pompé. C'est pas obscur, c'est juste que CopyComic, comme il met sur YouTube, sans avoir acheté en fait, GAD Elmaleh les droits de ses vidéos, de ses spectacles à lui, GAD Elmaleh voulait l'attaquer pour droits d'auteur. C'est quand même voit que GAD Elmaleh a de l'humour. C'est vrai. L'anonymat est important pour lui. Beaucoup cherchent à savoir qui il est. On lui a posé la question. L'anonymat est le plus sûr moyen pour travailler tranquillement et n'avoir ni avantage ni inconvénient avec tout ceci. Des menaces ayant déjà pu être lancées sur des personnes soupçonnées à tort d'être l'auteur des vidéos, il semble que ce choix d'anonymat soit le bon pour éviter ces désagréments. Est-ce que vous, par exemple, si vous étiez lancé dans cette aventure, est-ce que vous l'auriez fait à visage découvert? Non. Peut-être que dans l'élan de l'immaturité, on aurait cédé à ça. Mais il a complètement raison. Je veux dire. Il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement de choses que ça peut devenir dangereux parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui sont tout en haut de l'espace et qui tiennent. Les Illuminati. Et voilà. Non, j'irai pas jusque-là. Mais sûr qu'il n'y a plus rien à voir. Juste en faisant quelques blagues sur CopyComic, dans des plateaux comme ça, alors que je ne suis pas du tout connu, qu'on joue devant 20 personnes, il y a plusieurs humoristes qui sont venus me dire: ouais, Josquin, fais comme même gaffe, hein, tu vas te mettre beaucoup de monde à dos si tu fais ça. Donc c'est quelque chose que, et puis on regarde par exemple dans le reportage dont tu parlais d'enquête exclusive, il n'y a pas beaucoup d'humoristes quand même confirmés qui ont voulu témoigner. Il y a Elise Moon qui dit par exemple qu'il va leur donner une réponse de politicien, donc en gros rien dire. Donc c'est clair que c'est un truc à différents niveaux qui crispe pas mal les humoristes. Je trouve ça incroyable qu'en 2019 on soit obligé de se masquer pour ne pas se faire péter la gueule pour un truc qui est de l'ordre... Peut-être aurais dû commencer par masquer, tu vois, t'aurais gagné du temps. Masquer, voilà, excusez-moi, c'est ma première fois, je suis un puceau de la radio.
Est-ce que Copy Comique est dépassé par le succès de ses vidéos ? On lui a posé la question. Il ne faut jamais s'attendre à rien, dans un sens comme dans l'autre. Comme cela, pas de surprise. Et on ne peut pas être dépassé, ni déçu. Et c'est pareil un petit peu sur les éventuelles répercussions liées à ce travail. Voilà ce que dit Copy Comique. La seule peur que j'ai, c'est de faire des erreurs factuelles. Ce n'est d'ailleurs pas tant une peur, mais plus une préoccupation. On reviendra sur les artistes américains. Et puis, je lui ai posé également une question. Enfin, en tout cas, c'est une remarque concernant les humoristes femmes. Et comme nous en avons deux dans cette émission et que la prochaine est celle qui va nous faire sa chronique, il s'agit de Marlène Bouffier, évidemment, chez vous. Vous pouvez pousser les meubles. Oui, alors donc moi, pour prouver que c'est bien moi qui ai écrit mes textes, j'ai effectivement développé deux concepts. Bon, on l'a évoqué tout à l'heure, les expressions, c'est-à-dire des chansons écrites à partir de mots que me donnent ou le public ou des personnalités que je croise, notamment le dernier en date, c'est Koé. Et sinon, j'écris moi des textes autobiographiques et des chansons. Alors j'avoue, c'est très narcissique, ça n'a pas forcément un grand intérêt, c'est pas forcément drôle d'ailleurs, je vous préviens. Mais au moins, on ne peut pas m'accuser d'avoir plagié. Donc la toute nouvelle chanson autobiographique que je vais vous faire aujourd'hui en exclusivité mondiale, elle m'a été inspirée par un rendez-vous qui a eu lieu le 7 mars. Et pour tout vous dire, donc, c'était la veille de la journée internationale des droits des femmes. J'en avais entendu parler dans les médias, mais je pensais pas du tout que je serais concernée. Une petite écho, et puis voilà. Quand elle débarque chaque mois, c'est elle qui met à plat mon endométriose. Ose dire que tu as mal et que c'est pas normal quand t'as le bide qui explose. On a le droit de menstruer sans sentir ballonné, sans faire une overdose. Quand je pense à tous les toubibs que j'ai croisés, sans qu'ils m'en parlent, j'ai envie de les buter. Alors me fais pas comme moi, si tu as mal, n'attends pas, ose et soigne-toi. C'est Toubib qui m'ont prise de haut, au lieu de me prendre au sérieux, qui m'ont presque traité de mytho, j'ai envie de leur crever les yeux. Quand elle débarque chaque mois, elle me gonfle à chaque fois mon endométriose. Ose dire que tu as mal et que c'est pas normal quand t'as le ventre qui explose. On a le droit de menstruer sans se sentir ballonné, sans faire une overdose. Ça peut même jouer sur ta fertilité. Plus tôt c'est pris, mieux tu seras traité. Alors me fais pas comme moi, si tu as mal, n'attends pas, ose et soigne-toi. Soigne-toi. Bravo. Eh oui, les amis. Je sais que ce sont des sujets sur lesquels on est solidaires. Exactement. Non, mais alors. Et alors, j'avoue, avant que. Oui. Bon, la mélodie, ça vous rappellera peut-être quelque chose. J'avoue. Camaro. C'est peut-être une cover, quoi. Moi, je trouvais mieux que l'original. Oh, ouais. Donc, t'es mignon. Moi, je trouve que les paroles de l'original sont un peu surcotées. Ouais, je crois que c'est dépassé. Et puis, non. Artiste, hein. Oui. Non, ce qui était assez impressionnant, c'est de voir Josquin pendant que tu chantais. Il pleurait. L'impression qu'il a quitté. Il pleurait des tympans. Il a quitté son corps. Je suis désolée. Non, mais c'est ce que je disais à Marlène avant, c'est que j'étais concerné par la maladie aussi. Ah oui. Ma copine m'a cassé les pieds pendant un moment parce qu'elle croyait l'avoir. Et elle a parcouru tout Paris pour trouver tous les médecins possibles et imaginables pour qu'ils lui disent qu'il ne l'avait pas. Mais peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle l'avait. Et c'est la deuxième fois que Josquin sera coupé au montage.
Mais c'est assez impressionnant, en fait, tu as des anecdotes sur tous les sujets qu'on va traiter ce soir. En fait. Et qui penchent toujours ouais, comme, pas sûr que ce soit très intéressant, mais comme dit Marlène, c'est pas plagié, au moins. Oui, là, c'est sûr. Ouais, là, on a une garantie, là, c'est... Là, c'est évident. Et si un plagiat sera plus bigard que... En ce qui concerne Josquin, ouais. Est-ce que tu as peur d'être plagié, Josquin? Ça, c'est le genre de question, je peux pas répondre. J'ai laissé mon avocat à Avril. Moi, j'ai déjà plagié Josquin, j'ai pas honte de le dire. Ah, c'est assez incroyable. Non, mais par contre, j'ai trouvé une bonne technique pour continuer à plagier d'autres gars, tu vois. C'est parce que faut dire que si moi j'écris des sketchs moi-même, automatiquement je fais une blague raciste. Alors, des fois, j'essaye de faire des trucs plus grand public, mais j'ai pas l'inspiration. Donc, je vais sur des plateaux et quand j'ai une blague qui me plaît bien, ensuite j'appelle l'humoriste qui l'a faite. Tu vois, faut pas qu'il soit trop célèbre, mais sinon ça marche pas. Mais si c'est un type lambda comme on a ici, ça marche très bien. Comme je l'appelle et je lui dis, t'as pas honte de m'avoir piqué la blague, c'est moi qui l'ai faite en premier. Et puis généralement il veut pas s'embrouiller, il fait excuse, je savais pas, je croyais que je l'avais inventé. Malin. Et puis bam, dans la besace. Mais juste Josquin, tu as dit des choses intéressantes, tu as dit des fois je ne fais plus des blagues racistes, je fais des choses grand public. Tu saches que le racisme est grand public. Ouais, c'est vrai. Mais donc toi t'es une racaille en fait. La racaille en Suisse porte des casquettes roses, c'est ça qui me rassure en même temps. On revient dans un instant, une chanson que vous allez écouter, c'est Didier Bourdon. On ne peut plus rien dire, c'est un rapport direct avec Josquin Houpin. Et juste après, vous allez découvrir Edouard qui est avec nous et sa chronique. À tout de suite. Et pourquoi pas l'émission presque pas drôle de Sébastien Joël entouré de son équipe revient dans un instant. On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là, vaut mieux pas. Si je prononce le mot qui part, t'es gentil, tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus, désolé, ça n'intéresse plus. Et pareil pour Bouddha, ah oui, le fromage des Pays-Bas, on peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si t'as une surcharge pondérale, on t'oblige à crever la dalle. Si je dis que j'ai envie de refumer, sûr j'aurai le cancer dans l'année. Si je me décide à faire du sport, on me dit fais gaffe, pas trop d'efforts, on peut plus rien faire. Si je dis que j'ai un ami homo, attention, dis pas que c'est un PD. Si je dis que j'ai des côtés macho, ouais t'es plutôt qu'un obsédé. Si je dis que j'aime bien les animaux, ils vont penser que je suis zoophile. Ou j'avoue j'adore les marmots, ils vont me dire que je suis pédophile, on peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Faut faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au ric, au pétard, au clébard, au pavlard, on peut plus rien dire. Tu dis la France quand même, c'est vrai c'est un beau pays, mais tu rigoles, la France c'est qu'un pays pourri. Peut-être en fait t'as raison, c'est pas si bien qu'on dit. Eh ben alors connard, qu'est-ce qui t'oblige à vivre ici, on peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. Si t'avoues que t'as lu Céline, tu risques vite d'être dénoncé. Et qu'étant jeune t'étais proskiste, va te planquer vite à l'île de Ré. Si tu dis que t'es de bonne foi, on va te dire c'est de la langue de bois. Et quand t'es pas consensuel, t'as droit au quai con celui-là. Si tu dis merde, je veux plus voter, on te dit t'es qu'un enfoiré. Si tu dis pour qui t'as voté, t'es con, c'est tous des angles, on peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. Faut faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au riz, au fêtard, au clébard, au paplard, on peut plus rien dire. Ou de sortir style une connerie, mais je crois que ça a été déjà fait. Messieurs, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ouais, c'était déjà fait. Il vaut mieux rien dire. Ouais, je suis une femme de Florentanie. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. Je crois qu'on doit avoir la liberté de penser ou pas. On peut plus rien dire. Nous allons créer une loi contre l'homophobie. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Alors, une vraie loi, pas une loi de tafiole, pas de. Au vergas, ils ont dit à l'autre source, ça aussi, à la bourse, ça aussi, au virus, ça Didier aussi. Didier Bourdon, on ne peut plus rien dire. Didier Bourdon, issu des Inconnus, qui était l'invité d'une autre émission que je vous invite à découvrir, que nous avons enregistré la semaine dernière, qui s'appelle Deux colonnes à la une. Et c'est une émission dans laquelle nous avons passé 2 heures avec Didier Bourdon. Et pourquoi pas l'émission radio à 99% drôle et décalée.
drôle et décalé. Allez, eux sont de vrais auteurs, à savoir qu'ils utilisent soit leur clavier, soit leur stylo. En ce qui concerne, dans quelques instants, juste après la chronique d'Edouard, nous accueillerons ici même Virginie, qui elle a écrit à la main sa chronique, tandis qu'Edouard, eh bien, cette feuille A4 nous montre qu'il a chez lui un ordinateur, un clavier, un écran et une imprimante. Oui, une imprimante. Edouard, c'est à toi. C'est le printemps, les amis, et Paris commence à refleurir, les arbres deviennent verts, les parcs s'embellissent et le Phuket se brûle. Chaque samedi, depuis 19 semaines, la France avance au ralenti, au même rythme que ma carrière d'ailleurs. À titre de comparaison, ma carrière avance aussi vite que la descente de piste verte de Brigitte Macron il y a 2 semaines. Je passe autant de casting que le nombre de shots que Castaner prend en soirée pour un résultat différent. Il garde son emploi et moi je n'en ai pas. Moi aussi j'aimerais aller en boîte et prendre des shots, mais j'ai autant d'argent qu'un gilet jaune le 5 du mois. Et quand ce ne sont pas les gilets jaunes qui font fermer les Champs-Élysées, c'est le président chinois Xi Jinping, hein, en visite à l'Élysée en début de semaine. Emmanuel Macron a dû lui parler des droits de l'homme, hein, de la liberté de la presse, des camps de musulmans. Mais pour rompre ton de conversation qui pourrait l'ennuyer, il a une solution, Xi. Il sort un chéquier et hop, une commande de 300 Airbus et hop, on oublie tout. Hein, le président Macron aussi, mec sur Planet Great Again, a dû lui parler d'écologie au président chinois, le plus gros pollueur de la planète. Et là, bim! Le chéquier magique est de retour, on oublie tout, 1 milliard d'euros d'entente avec la BNP Paribas, hein, la banque d'un monde qui change, mais pas pour tout le monde. Le président chinois a pu découvrir en France des choses qui n'existent pas en Chine, hein, les terrasses de café, la tour Eiffel, les manifestations aussi. Hein. Rappelons qu'en Chine, Facebook, Twitter sont interdits et aussi Winnie l'ourson. C'est vrai, c'est pas une vanne. Winnie l'ourson est interdit parce qu'il ressemble un peu trop au président, donc il a été interdit. Alors oui, on critique la France très souvent dans nos chroniques et surtout depuis 19 semaines. Mais nous aussi, on a des personnages de Disney, hein. Oncle Pixon. Et Sébastien Joël, ceci dit. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit air. Hein. Il y a un petit air de Winnie l'ourson. Tu sais que j'ai regardé un peu, il y a un petit air. Hein. Joël Ping. Et nous aussi, en France, on a nos petits personnages de Disney. On le rappelle, on a Oncle Picsou Macron, hein, qui ne lâchera pas ses sous. Cruella d'Enfer Le Pen, qui sera toujours là pour emmerder les 101 Dalmatiens qui passent nos frontières. Hulk Mélenchon, qui s'énervera toujours autant, car la République, c'est lui, on le rappelle. Mais toi, la France, toi qui dors comme Cendrillon, ne t'inquiète pas. Hercule est toujours là pour te sauver, et Hercule, son nom de famille, c'est démocratie. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Edouard. Alors, Josquin, toi qui comptes la démocratie, qu'en penses-tu? Celle qui dort, c'est pas la Belle au bout dormant. C'est vrai, ouais. Ouais. Cendrillon ne dort pas. Hein. Mais Hercule lui ramène ses chaussures, qu'est-ce qu'il y a, Cendrillon? Ah. Cendrillon, elle dort pas. Cendrillon, c'est les loups boudins. Bah, elle dort, elle dort, mais la nuit, comme tout le monde. Soyons précis, s'il vous plaît. Ouais, elle est pas restée 100 ans en attendant qu'un mec descende de son cheval pour l'embrasser. Mais tu vois, tu peux pas écrire n'importe quoi quand t'as une fille dans une émission. Mais ouais, elle est fan de Disney. Je t'avoue que j'aurais repris 10 secondes plus tard. Hein. C'est pas une question de fille. Moi, les Disney, c'est. Le lobby Disney va me sauter dessus, merci. Hier, on m'a dit je vais me déguiser comme Ratatouille. Je fais non, comme Rémi. Il s'appelle Rémi, le rat de Ratatouille. Ratatouille, c'est le nom du film. Voilà, il faut être précis quand même. Ah ouais. Mais c'est vrai en plus. Mais oui, bien sûr. C'est pas Ratatouille son nom, c'est Rémi. Mais bon. Tu as. D'accord, ok. Et donc tu es seul, c'est important parce que tu vois. Absolument. Si quelqu'un m'entend hein, entre 7 et 77 ans, peut-être pas 7 et 77, ouais. Et oui, aime les Disney. Tu peux aller en prison. Non, parce qu'en ce moment, ouais. Non, tant que je peux faire des puzzles 150 pièces avec, moi ça me va. C'est quoi, c'est 18-45, 18-50? Ouais, voilà, très bien. Bah, tout ce que peut permettre Tinder, et c'est 18-50, ouais. C'est avant maximale. Ou après endométriose, tu prends? Moi, je m'accorde pas des choses aussi peu importantes. Moi, voilà, il y a que la couleur jaune qui m'emmerde un peu. D'accord, t'as un problème avec le jaune? J'aime pas le jaune. Ah ouais? Non, c'est une couleur que j'aime pas trop. J'adore le orange, mais le jaune, non. Ah là là, ouais, d'accord. Qui s'en fout en fait? Non, non, mais c'est important. Moi, j'aime pas trop le jaune. Tu n'es pas très jaune. Ouais, toi, pendant la guerre, c'était pas très beau les étoiles jaunes. D'accord. Et Josquin, tu as un copain? Josquin, c'est un virus, il se propage. On sait pas. Je savais pas qu'il y avait une rubrique mode en fait. La sinon, voix je du Ku Klux Klan, ce soir. C'est compliqué. Dans un instant, Virginie va nous rejoindre, ce qui va obliger notre ami ici présent, Laurent Simoni, à laisser sa place. Au revoir, Laurent. Et je pense que pour Laurent, c'est très difficile de laisser sa place, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ça. Mais pourquoi pas? Ça fait partie de sa thérapie. Et pourquoi pas? Et c'est plutôt pas mal. Et pourquoi pas? Et pourquoi Virginie, pas on ne t'a pas beaucoup entendu puisque tu étais sur ton cahier. Comment ça va? Je n'avais pas de micro. C'est vrai aussi. Oui, plains-toi. C'est en détail. Alors, dis-nous un petit peu. Une chronique de 10 minutes pour qu'est-ce compenser. Que tu nous... Et qu'est-ce que tu nous proposes alors? Eh bien, déjà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, moi, je ne vous cache pas que c'est ma première chronique. D'accord. J'ai sauté sur l'occasion parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé d'écrire des chroniques culinaires.
Oui, parce que j'adore la bouffe, devant, derrière, les fourneaux, j'adore la bouffe. Josquin encore frappé. Parce que je trouve que c'est un prisme absolument fascinant déjà pour aborder l'histoire des civilisations. Parce qu'on nous a tellement, à l'école, on nous a tellement écorché les oreilles avec des récits de conquêtes, des batailles à coups de vases de soissons. Moi, j'aurais mille fois préféré tout savoir sur l'invention du pain, hein, ou comment bien les cuire, les haricots de Soissons. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des très gros haricots blancs et c'est vraiment succulent quand c'est bien préparé. Ah, la bouffe, c'est intarissable, hein, n'est-ce pas ? Comme sujet, c'est bien ça le problème, hein, parce qu'il faut que je l'écrive la chronique. Donc il faut que je trouve un axe, hein, que je vous surprenne, que je vous donne à manger. Quelque chose de gourmand, d'instructif, et puis que je me dévoile. Alors j'ai un souvenir de corbeille de pain vide. Là, ma joie se muait invariablement en détresse quand j'avais fini d'avaler en ronronnant l'ultime parcelle de chair tendre que mon couteau fébrile arrachait au cuisseau du gibier. Je restais pantelante de rage, nouée d'une intolérable frustration devant le spectacle insupportable de toute cette bonne sauce qui se figeait dans mon assiette, à quelques pouces de mes papilles mouillées de désir et ma luette offerte frissonnante d'envie au creux de ma gorge moite, dans l'attente inassouvie d'une bonne giclée de la bête entre mes grandes lèvres écartées. Là, c'est gourmand, non ? Et puis vous en savez un peu plus sur moi, là, du coup, non ? Non, mais petit côté, la cité de la peur, quand même. Alors, c'est vrai que la ligature des phrases change un peu de mon style habituel, et c'est normal, c'est parce que c'est pas de moi, c'est des proches. Ouais, dans ma quête d'inspiration, en fait, je me suis retapé encore des nouilles. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est un recueil de chroniques culinaires de Pierre Desproges qu'il a publié dans la revue Mets et Vins. C'est un peu limite, hein. Bah ouais, je crois que je peux pas faire ça, en fait, hein. C'est du plagiat, hein. Je sais pas, buzzer, copie comique. Moi, j'appellerais ça un hommage. Voilà, oui, bah oui, parce que j'en parle. Bon, donc, il a fallu que je fasse table rase, hein. Il a fallu que je... Pour désencrasser mon esprit de l'influence pesante de mes maîtres, et puis désencrasser mon foie, hein, de toutes les raclettes de février, je me suis dit, allez, je vais me faire un jeûne. Alors, c'est génial, le jeûne. Hein. Il y a plein de vertus, hein, vous savez. Ça a été un sacré challenge pour moi. Je pensais pas avoir les qualités nécessaires pour le jeûne. Et en fait, j'y suis arrivée. Alors, c'était dur, hein, mais c'était très rafraîchissant. Et maintenant, grâce à mon jeûne, je me sens prête. Je vais vous pondre une de ces chroniques. Alors, en revanche, je me suis aperçue sur le tard que mon jeûne était mineur. C'est un peu limite, là, non ? C'est limite. Virginie, voilà. C'est limite. Et c'est la fin de la chronique. Et on applaudit Virginie. Bravo Virginie. Bravo. Merci beaucoup Virginie. Que fais-tu toi alors dans la vie ? Alors moi, je suis comédienne, humoriste. Là, je travaille, je prépare un spectacle un petit peu. Je ne fais pas vraiment du stand-up. Je m'entraîne au stand-up aussi, mais là, je prépare un truc un petit peu presque burlesque, à mi-chemin entre le clown contemporain et puis Marvel Comics. Je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Oui, c'est comme Josquin. On écoute et puis on se dit, on comprend pas. On va faire un duo avec Josquin. Je pense que cette émission de radio aussi est contemporaine, tu sais, dans le sens art contemporain. C'est là. Là, on est sur vraiment de la création. Choses. Il y a des choses. Voilà, il se passe des choses. Impossible à plagier, du coup. Je suis en résidence. Belle variété de chroniques, quand même. Hein. Là, t'as eu de tout. Hein. Là, on a vraiment de tout. Ouais. On va aller faire un petit tour aux États-Unis avec Copie Comique. La question qui lui a été posée, puisque depuis le début de l'émission, nous avons en exclusivité les réponses aux questions posées donc à Copie Comique, qui se fait appeler Ben, hein, sur Facebook si vous cherchez, ou faites Ben CopyCop. En ce qui concerne les Américains, la question qui a été posée, c'est est-ce que les Américains ont tenté de joindre Copie Comique lorsqu'ils ont découvert, effectivement, qu'a été dévoilé l'ensemble des artistes français qui avaient donc plagié les artistes américains. Je ne dis jamais avec qui j'échange ou non, c'est le meilleur moyen de respecter la confiance que certains ont. Ce que je peux dire, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucune action en justice entreprise de la part des plagiés éventuels. Rien du tout. Mais d'ailleurs, dans Envoyé spécial, il le disait déjà que les artistes américains n'engageraient pas du tout, déjà parce que leur public est aux États-Unis et que le droit français ne prime pas obligatoirement sur le droit américain. Donc c'est très compliqué sur les droits d'auteur. Et en France, on est meilleur qu'aux États-Unis sur le plan de la législation, sur les droits d'auteur. Donc c'est difficile pour un Américain d'essayer... C'est Laetitia Hallyday qui va tout récupérer. C'est possible. Elle récupère tout, alors.
Et alors, dernière question qui a eux, été... ils ont quand même une solution différente d'attaquer en justice, c'est simplement d'interdire l'accès aux salles. Ils font ça, du coup. Ils ne vont pas faire fait. De procès, mais ils interdisent les artistes qui ont plagié ou qui ont été inculpés par Gad, c'était comique. Un peu son rêve de conquérir le marché américain. Là, je pense que c'est un peu bon. Il l'a fait à la salle où il interdit. C'est au Canada, pour l'instant, ça commence à se propager, mais c'est pas encore... Mais aujourd'hui, il est en photo sur Times Square pour la série qui sort sur Netflix. Ah, c'est vrai? Oui, aujourd'hui même. Donc, ça a pas l'air trop de sa carrière. C'est vrai, alors. L'économie sera toujours l'honneur, on est top. On a deux filles seulement sur les chroniqueurs d'aujourd'hui et la question a été posée à Copy Comique. C'est vrai que aucune femme n'a été relevée de plagiat. Alors pourquoi, comment? Parce que les femmes sont pas drôles à la base. Voici la réponse de Copy Comique. En effet, pour l'instant, les vidéos présentent toutes, à l'exception d'une seule, sur des caméras cachées, uniquement des hommes en potentiel plagiaire. Il semble que le niveau d'exigence envers les humoristes femmes soit plus élevé qu'envers les hommes, et que de manière assez évidente, elles savent qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur, que rien ne leur sera épargné. Si une humoriste féminine de premier plan avait eu deux vidéos Copy Comique sur elle comme Gad Elmaleh ou Michèle Leeb en ont eu, pas sûr qu'elle pourrait s'en sortir aussi bien que d'eux. Mais cela ne veut pas dire évidemment qu'aucune femme ne plagie, ou ne plagiera jamais. Nous avons donc eu, disons, l'opportunité de pouvoir poser des questions à Copy Comique. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que c'est un comédien qui a donc lu les réponses de Copy Comique. Dans quelques instants, ceux qui écrivent leurs chroniques et qui sont avec nous aujourd'hui, il nous en reste deux, Oumar et Josquin. Le prochain, c'est Josquin. Vous pouvez évidemment vous attendre au pire, ou peut-être nous parlera-t-il de son enfance et des films qu'il a aimés du côté de chez Disney. Mais ça, nous le saurons évidemment que dans quelques instants. Et pourquoi pas, l'émission presque pas drôle de Sébastien Joël entouré de son équipe revient dans un instant. Anthony Joubert, lui en ce moment sur internet et sur YouTube fait pas mal de chansons sur les gilets jaunes. On va écouter quelques extraits. Vous avez été nombreux à apprécier la compile des gilets jaunes, alors on vous en a préparé une deuxième. Le roi du monde vit à l'Élysée. Son peuple râle, mais lui ne répond jamais. Il ne sait pas ce qui se prépare en bas. S'il se bouge pas, destituons le roi. Le roi du monde est mal entouré. Il a des ministres, mais qui répondent à côté. Il pense être comme nous, mais il y a un hic. Quand on sait pas combien coûte le SMIC. Mais dans cette compile, on a aussi pensé aux casseurs. Fais des braises, on s'en fout. On va faire cramer tout Paris. Nous, Macron, on s'en fout. Et de ces gilets jaunes aussi. Même en 40, ils n'ont pas touché les nazis. Mais ce soir, je crois qu'ils ont eu envie de casser la voix publique, de casser la voix publique. Saccager, démonter, je ne recommencerai plus jamais. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Et j'en ai vraiment plein le cul des coups à force d'en prendre. Si je le retrouve, ce bâtard qui a brûlé mon véhicule, je vais bien finir par l'avoir. Alors là, évidemment, ce ne sont pas des plagiats, mais en tout cas, Anthony Joubert reprend évidemment des mélodies connues et fait un certain nombre de chansons sur les gilets jaunes. Et d'ailleurs, ce sont des gilets jaunes qui m'ont fait découvrir les chansons d'Anthony Joubert, que vous avez entre autres, pour ceux qui ne le connaissent pas obligatoirement beaucoup. Il était très présent dans l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Voilà. On va retrouver nos chroniqueurs, puisque je vous rappelle que l'ensemble des chroniqueurs qui sont avec nous dans Et pourquoi pas aujourd'hui sont des auteurs. Et le prochain s'appelle Josquin. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est important d'écouter cette émission. Que va-t-il se passer dans un instant? Eh bien, est-ce que quelqu'un va mourir? Est-ce que nous serons menacés de mort? Et est-ce que cette émission, qui n'est pas encore diffusée sur plus de 50 radios, se verra interdite de tout antenne, y compris des web radios? Et pourtant, on entend des choses qui n'ont pas beaucoup de sens sur le web. Peut-être que l'avenir de tous nos chroniqueurs aujourd'hui dépend de la qualité du travail de Josquin. Josquin s'appelle Chapatte. C'est pas un nom comme les autres, parce que ce type n'est pas un homme comme les autres. Josquin, nous t'écoutons. Ouais, trop cool comme intro, quoi. Merci beaucoup. Et les gars, j'ai une petite blague. Ça vous chauffe? Non, grand public, celle-là. C'est un gamin qui dit à son copain Socrate: connais-toi.
Et le petit Socrate lui répond, connais-toi toi-même. Bon allez, fini l'antiquité, partons dans le turfu et on va parler collapsologie. La collapsologie est l'étude de l'effondrement de nos civilisations industrielles et de ce qui pourrait lui succéder. En gros, c'est comment ça va être le bordel bientôt sur Terre. En France, la collapsologie a été rendue célèbre grâce au best-seller « Comment tout peut s'effondrer ». Voilà le nom du bouquin. Bon, aussi, ça a été rendu célèbre accessoirement parce que l'humanité fait de la merde depuis 100 ans. Et les auteurs du bouquin en ont ensuite fait un deuxième, intitulé « Une autre fin du monde est possible ». Là, plus de notion de potentialité, l'effondrement est acté. La question est alors, quel type d'effondrement voulons-nous ? Est-ce qu'on veut vivre la fin du monde en se tirant tous dessus ou en profitant du spectacle, un cocktail à la main ? Et il y aura bientôt des tutos YouTube. Fin du monde, 10 astuces pour mourir en minimisant ses souffrances. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Dans le futur, un autre bouquin sur le sujet. Un bouquin sans pages parce qu'il n'y aura plus d'arbres et avec rien dedans parce qu'il n'y aura plus personne pour l'écrire. Et je force le trait, les collapsologues disent pas tout le monde va mourir, juste beaucoup de monde. La grande majorité. Ce qui est vachement plus réjouissant. Ça enchante, ceci dit, peut-être certaines personnes. Les fascistes, adeptes du tir, par exemple. Eh ouais, quand l'Afrique sera devenue un gigantesque sauna et que tout un continent migrera, eux, ils mettront des mitraillettes face à la Méditerranée et le moindre gaillard qui pointe le bout de sa gueule, bam ! Et ça, c'est pour ceux qui n'auront pas été zigouillés durant la traversée de la Méditerranée. Des types voudront bombarder les rafios. Bam, touché, coulé. C'est ce qui risque d'arriver quand tu vois que Trump déjà a dit que l'armée pourrait tirer sur les latinos qui essayent de franchir le mur. Eh ouais, c'est la fête. Allez, continuons avec des bonnes nouvelles. C'est officiel, d'après l'ONU, on ne peut plus rien pour l'Arctique. Même si on change de cap, maintenant, à la seconde, les ours polaires sont condamnés. Ils iront roupiller pour toujours avec les dodos et les autres espèces disparues. Roupiller les dodos. Allez, bon, je propose qu'on cryogénise quand même 2-3 ours polaires pour relancer l'espèce un jour au cas où l'être humain devient un peu moins con. Et je sais pas si vous savez, Ribéry aimerait aussi se faire cryogéniser. Perso, j'ai bien contre. Ça, c'est pour compenser, c'est au cas où l'humanité devient un jour trop intelligente. Et on va finir sur une touche d'espoir. Marche pour le climat il y a 10 jours, j'ai adoré les pancartes brandies. Tellement de créativité. Par exemple, sauver la Terre, c'est la seule planète où il y a de la bière. Pas mal, hein ? Et je pense que ça peut conscientiser des gens qui, à la base, n'étaient pas hyper concernés par l'écologie. Ou sauver la Terre, c'est la seule planète sur laquelle il y a du Ricard. Et c'est là que tu vois que revendication des gilets jaunes et marche pour le climat peuvent se rejoindre. Les abstinents, eux, ils disent « Sauver la Terre, c'est la seule planète où il y a du chocolat ». Eh, bon argument également, et la NASA est formelle, sur Mars, il n'y a pas de sneakers. Mais, ceci dit, on n'a pas parcouru toute la Voie lactée pour voir si nulle part ailleurs, on n'y produit pas également des Milky Way. Oh. Et puis bon, avec ce genre d'argument, c'est la seule planète où, hein, la Terre, c'est aussi la seule planète où il y a Christophe Castaner. Et ça, ça donne tout de suite moins envie de la sauver. Ou la seule planète où il y a Joule. Alors on l'appelle peut-être l'OVNI, mais en l'occurrence, c'est pas aux extraterrestres qu'ils cassent les couilles, c'est à nous. Moi, j'ai surtout envie de dire, et je finirai là-dessus, sauver la Terre, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule planète sur laquelle on peut vivre. Voilà. Merci beaucoup. Josquin Chapatte dans Et pourquoi pas. Non, vos jobs sont sauvés. Et pourquoi pas. Que s'est-il passé de grave? Est-ce que t'as bossé dans un manège, Josquin? Une boîte, c'est parti. Et on attrape le Mickey de la Terre. C'est vrai. Vous savez pas? Tout à fait. Quel compliment. Mais beaucoup d'énergie. Si, oui, si tu peux humoriste, tu peux bosser à la foire du trône, c'est cool. Et en tant qu'ardent militant pour le retour des jeux de mots, moi j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Merci. Oui, tu milites toi. Très jeu de mots. Très, très, très jeu de mots. Très, très jeu de mots. C'est très important les jeux de mots. Ouais, c'est important. On a senti qu'il y a plein de choses qui sont importantes dans ta vie. Ouais. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Mais ne réponds pas. C'est pas une question en fait. C'est ça qui est rassurant. C'est ça qui est bon. On va bientôt se quitter, les amis. Nous avons un dernier candidat, un chroniqueur, celui qui est arrivé avant les autres avec une demi-heure de retard en fait. C'est l'heure africaine. Et quatrième coupure.
Non mais c'est vrai, non mais je connais le problème. Hein. C'est un truc. Dans les gènes. C'est dans les gènes. Dans les gènes. Pour contrer les clichés quoi, zut. Bah en fait. Et d'ailleurs j'ai une blague. Non 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 non. Non. Comment ça se fait que ce soit que des blacks qui soient champions du monde d'athlétisme quand on voit que les gars marchent tellement lentement? J'anime des conférences autour de la psychanalyse avec l'association des psychanalystes européens, si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Franchement. Non mais je cherche pas, on va vraiment s'occuper de toi, ne te pose pas de questions. Mais est-ce que tu organises des dîners le mercredi soir aussi? Tu t'ennuies? Ligue des champions. Mais oui, par rapport au dîner de cons. Francis Weber. Ouais, ben ouais, ah, c'est pour ça. Juste le blanc. Ah là là. Ah là là. Ça manque de culture. Là. Merci beaucoup, Josquin. On a bien compris que tu avais un problème et que nous n'étions pas la solution. Oumar, bienvenue. Bienvenue, Oumar. Pourquoi pas. Mec, il découvre son nom en fait. Il a oublié de lire ses bienvenue papiers. Bienvenue, Oumar, c'est moi. Excusez-moi, j'ai pas mangé en fait. C'est parce que voilà, j'ai pas mangé. Donc si vous voyez que je suis un peu light. C'est que j'ai pas mangé en fait. Je suis assez light quand j'ai pas mangé en fait. Je suis assez léger. Mais quand t'as pas mangé, t'es comment? Bah quand j'ai pas mangé, je parle pas. C'est encore pire. D'accord. Je parle pas, ouais. Mais là. Et quel est le lien avec notre émission en fait? Bah je sais pas en fait. J'essaie de vous dire des trucs en fait. C'est la chronique culinaire. J'essaie de vous dire qu'en fait que j'ai pas mangé et c'est assez frustrant quand même parce que j'ai le ventre qui voilà. Ok super. Non mais c'est important, c'est important. Et donc à quel moment on te lance avec tout ça? On va tous parler de nos problèmes. Parce que déjà que je suis en retard. Le mec, je sais pas s'il a commencé. Quelqu'un a Milky Way pour le monsieur? Comme je suis déjà en retard, donc si vous voulez, on peut commencer. Alors mes hémorroïdes. Non, c'était l'endométriose. Ça dérape. Parlons tous de nos problèmes. Pas tout le même jour. Donc si tu veux, on va reprendre au début, Oumar. Oui, okay. Bien sûr, c'est mieux. On a entendu ta voix. Oui, j'espère. On a bien situé le décor de ta venue, etc. Enfin, t'es le seul à avoir gardé un bonnet, un blouson fermé. Ouais. Parce qu'il fait très froid. On enregistre cette émission dans une cave. Exactement. De quoi veux-tu donc nous parler, Oumar? Bien écoutez, je voulais vous parler des personnes qui ont des tics. D'accord, comme les chiens en forêt. Oui, mais là, si je parle d'une personne en particulier qui m'a énervé aujourd'hui. Donc, ça n'a pas de rapport avec les chiens en forêt. Ça n'a aucun rapport, exactement. Mec, c'est pas que. Non, mais il n'y a pas de souci. Aucun rapport, monsieur Joël. Donc, Oumar, en direct dans cette émission, et pourquoi pas, tu vas nous parler des gens qui ont des tics. Voilà. Nous t'écoutons. Très bien. Je vais vous parler d'une personne qui a un tic. Elle s'appelle Lassana. Bon, je ne connais pas son nom de famille parce que je ne vais pas la griller dans cette émission. Mais elle a un tic, cette personne, à chaque fois qu'on lui pose une question ou qu'on lui explique quelque chose, vous connaissez ces personnes qui finissent par... Eh ben écoutez, moi, obligé que je pense que vous avez tous connu des personnes comme ça, qui finissaient toujours leur réponse avec... Eh ben moi ça m'énerve parce que cette personne, elle le fait pratiquement de 7h30 quand j'arrive au travail et à 15h30 quand j'ai fini mon service. Donc Lassana est une collègue. Donc Lassana est un garçon. Et ah oui, oui parce même. Que oui, quand même, voilà, c'est bien de le préciser. Et c'est un Malien. Attention, parce que d'habitude, je m'attendais pas à ce que un Malien me dise des choses comme ça. Je pensais qu'il allait me parler complètement tranquille, et je pensais pas qu'il allait avoir un tic assez accentué dans sa langue et dans son accent. Si vous voulez, en fait, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Lassana, écoute, à chaque fois tu me fais, mais est-ce que si je te dis que t'as une tête de bite, est-ce que tu ferais? Et vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a fait seulement. Alors d'habitude il fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc si vous voulez là, j'ai dit bon d'accord ok. Donc ça veut dire c'est un oui. Alors en fait si vous voulez, je suis en train de me poser la question en me disant soit c'est un oui ou soit c'est un non. Parce qu'en fait je lui ai posé la question, je lui ai dit Lassana, je vais au deuxième étage, je vais aller récupérer les recommandés, tu veux me suivre? Et il m'a fait. Là, c'est facile, là, il a fait plus doucement. Il a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, bah, complètement. Là, ouais, donc ce mec-là est très difficile à comprendre parce qu'en fait, il utilise très peu de mots et il utilise souvent le. Comme je vous ai dit. On a compris. Donc vous avez compris, hein, c'est vrai que. L'effet comique est sur le. Comme ça, pour ça personne ne pourra me plagier ou genre de truc, vous voyez. Ouais. Donc, j'ai dit à Lassana, écoute, vendredi, c'est mon dernier jour. Je sais que t'as un tic, on n'en a pas le temps d'en parler, mais écoute, vendredi, si tu as l'occasion, tu pourrais m'expliquer d'où te vient ce tic. Voilà. Et bah, vous savez ce qu'il m'a répondu?
Non. C'était tout pour moi. Bravo. Ok, Oumar, les amis. Non, mais merci beaucoup, Oumar, pour cette chronique. Et pourquoi pas. Merci d'avoir écouté cette émission et pourquoi pas avec l'ensemble des chroniqueurs qui étaient donc avec nous. Virginie est avec nous, nous a parlé, vous l'avez entendu il y a quelques instants, de cuisine. Avril, Avril a pris un stylo, nous a écrit une belle chronique que certains ont considéré pouvant aller sur France Inter. Il n'est pas d'accord apparemment. Marlène Bouvier, fan pas seulement de vieilles chansons mais surtout de textes nouveaux, contemporains. Merci Edith Piaf. Merci Marlène, c'est formidable. Elle n'a pas pu venir, donc je suis. Elle ne pouvait pas, la pauvre. Édouard, qu'on aura l'occasion, évidemment, comme tous les chroniqueurs de cette émission, de retrouver. Et puis également, c'est important, Laurent Simoni. Merci beaucoup, Laurent. Oumar, qu'on est très content d'avoir découvert ce soir. Et également, donc, Josquin. Eh ouais. Merci beaucoup, Josquin. Ça commence. Cette émission, vous la retrouvez évidemment en ligne sur sébastienjoël.fr. Vous la retrouverez également découpée et sur les pages pour ceux qui le souhaitent. Retrouvez les chroniques individuellement de chacun des chroniqueurs et chroniqueuses. Et on se retrouve évidemment très bientôt. Merci à tous et à bientôt. Merci Sébastien. Merci Sébastien, c'est gentil. Merci à vous.